Bienvenue dans cette petite vidéo sur comme un poil dans une soupe, si tu veux. Voilà. Tu l'entends, je suis pas tout seul. Et pourquoi, Solane? Là, tu as une grande flaque, évidemment, tu vas pas dedans, on est d'accord. Comment faire du VTT dans un bois qui est quand même chaud, sévillers la ville au niveau de D+, on est quand même pas si mal que ça. Avec ses enfants, eh ben, c'est possible. Hein. J'ai un enfant de 2 ans, une de 6, avec le Kids Shotgun. Ça, je vais pas trop, tu le verras, je vais pas trop en parler. J'ai déjà une vidéo complète à ce sujet. Mais là, mon fils a la taille idéale pour aller dessus, c'est parfait. La deuxième, c'est bien Solane. La deuxième a son vélo. Mais la dernière fois que je suis allé avec elle, si tu veux, je l'ai vite regretté parce que là, les côtes, c'est sévère, on a tout fait. Enfin bref. Et pour ce faire, j'ai un tire-vélo. Tu vois le délire? Et on va voir si c'est vraiment efficace. Ok, donc ce sera une petite balade, hein, pas longtemps. On va tester tout ça. Alors ne jugez pas mon fils hein, avec son casque rose. Solane, prends ton casque. Prends le casque. J'arrive pas à mettre la main sur le rouge. Céline, t'es prête? Oui. Ok. Solane, t'es prêt? Oui. Ok. Association de gens normaux. On est des types super sympas. Ambiance ultra amicale. Association de gens normaux. Hier soirée banale. Avec tes tétés, on buvait de la bière. Bref, je suis normal et j'ai rien fait, monsieur le commissaire. Papa. Ouais. Yeah. Mets tes pieds là. Hop. Tu te tiens ici. Ok. On y va? Oui. C'est parti? Oui. Allez alors, tu tiens bien Solane hein. Ah oui. Hop là. Attention à la bosse. Wouhou. Change de vitesse Saina. Tu verras, ce sera plus facile. Voilà, c'est bon là, ici. On évite les flaques s'il vous plaît. Oui. Oula, il y a de la gadoue là. Oh. Tu laisses le pied, voilà. Ici, lui, il reste sur la pédale et l'autre, il est sur le chemin à côté. Okay. C'est rigolo, Solane, ça? Oui. Allez, oui, fais comme une trottinette. Juste un pied au sol, l'autre sur la pédale. Allez, Saina, vas-y, dépêche-toi, on dirait papa, là. Donc, l'idée de ce truc-là, là. Hop. Hop. Donc là, j'ai pas prévu, mais il y a sa sonnette qui m'ennuie un peu. Hop là. Tac. Et voilà. Et ce qui est top, c'est que ça rembobine. Il y en a qui pourraient dire, ouais, tiens, bah, tu prends une corde et c'est pareil. Sauf que la corde, il faut enlever ton sac, l'installer sur les deux vélos. Et si jamais tu récupères un peu de mou, ta corde peut se mettre dans ta roue, peut attraper des choses au sol. Ici, ça rembobine. Donc la corde restera toujours tendue et c'est élastique. Donc, première petite côte là-bas, on va voir. Quoi, tu crois que je vais t'oublier, toi? Tu crois que je vais t'oublier, toi? Yeah. Saina, il faut quand même que tu pédales, hein. Oui. Ok? Allez, on y va. C'est bon? Oui, ça y est. Ok, parfait. Allez, on s'arrête dessus. Ah, le caillou, il peut m'arrêter. Moi, je sens rien. En fait, je sais pas quand est-ce que je te tire. Et voilà, et ça c'est mort pour qu'elle monte ça avec son petit vélo. La dernière fois, c'était à pied, ça. Donc là, je suis bien parce que je profite des vrais bois comme elle. Papa, je peux aller aussi vite que ça. Oh là, il y a de la boue. Saina, reste sur les pédales, reste sur les pédales. C'est bon, t'es passé? Super. C'est bien, voilà, ça c'est parfait. Regarde Solane, regarde ta sœur un peu comment elle se débrouille bien. Ouh là 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 là, oh, il y a de la gadoue partout là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là, alors là c'est catastrophe. Erk, bon, ramasse ton vélo et on va passer par là. Oui, je sais, tant pis, c'est pas grave, Saina, j'ai plus rien. Là. Bon, c'était compliqué, Saina, bravo, je suis fier de toi quand même. Hein. Bon, tes chaussures elles sont déglinguées, elles sont pas très vieilles, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-là vraiment. L'autre là, il fait sa vie. On va essayer d'éviter les chemins boueux maintenant, ok? On va remonter tranquillement. T'es prête, Saina? Oui.
Ok, Solane, tu viens? Oui. Ça marche très bien en plus. Ok, on est tous prêts? Oui. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Il va y avoir de la gadoue aussi, Seyna. La gadoue? Pas ouais. La gadoue. On ne t'arrête pas, Seyna, surtout. Ok, je m'arrête pas. Oui. C'est bon, toi, Seyna, tu es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Alors, on va s'arrêter. Oh, ça m'a tué, ça va? Ah, j'en peux plus. Non, t'attends. Ouais, par là, on va récupérer la route. Tout est simple, c'est la caméra invisible. Ouais, exactement. Bam. Seyna, elle fonce. Et Seyna, elle fonce tellement qu'elle tombe. Allez, relève-toi, c'est pas très grave, ma chérie. Va sur la route, y'a pas de gadou. Allez, roule. C'est bon? Ok. T'as, je suis sûr que tu ressembles à rien. Qu'est-ce que tu dis? Allez hop, là c'est facile, il n'y a pas de cailloux, c'est là. C'est bon, tu suis? Je suis. Ça va derrière? Ouais, ça va. Bah dorme là alors. T'as deux solutions. Soit tu lui achètes un vélo électrique pour que ton enfant puisse te suivre. Je te propose une solution qui coûte 2000 euros moins cher. Ah, c'est cool. Allez à droite. Et ton enfant peut te suivre au VTT. Papa, il y a la descente. Ouais. Arrête-toi, attends. Reste à côté de moi. Reste à ma vitesse, Aina. Aina, oui. Solane, je crois qu'il s'endort. Eh, Solane, faut pas dormir. Solane, faut pas dormir, hein. Eh oh, faut pas dormir. Comment je vais faire si tu dors? C'est bon, Solane. Tu peux dormir, hein. Solane. Il s'endort, le pauvre. Réveille-toi. Je sens, il tombe. Ça, la descente est finie là. Mais il s'endort. Seyna, il est en train de dormir. Bon bah il y a un gros problème. Il dort. Solane, faut se réveiller, hein. Eh oh, on est en vélo là, hein. On fait comment? On fait comment? Il tient pas le vélo, il va tomber. Comment on fait? Eh oh! Oh, eh oh! Maman, Céline, tu descends de ton vélo. Bonjour. Ah ouais, lui il s'est endormi là, c'était indien là. Je suis en galère depuis tout à l'heure avec lui. On va aller? Ouais, je me dis. Papa. Allez, viens, quand il s'endort quoi. C'est gentil.
travailles toi, c'est bon? Allez viens. Oh, et la voiture elle est tout en haut. Ouais. La voiture est tout en haut de là. Oui. Alors on va s'arrêter ici, Sena, ok? Solane, t'es réveillée? Est-ce que t'es réveillée? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es réveillée? Oui. On y retourne? Oui. Quelle galère, quelle galère. Eh ben, c'est la première fois que je suis cramé après une balade avec les enfants. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que finalement, le but d'avoir des petits appareils comme ça, le kit shotgun et le tir vélo, pour faire des vraies sorties VTT dans des vrais bois et ne pas faire que du ravel ou des chemins super sages. Donc je suis hyper satisfait. Et du coup, ma fille voilà, n'est plus en galère ou en tannasse complet là. Dès qu'elle voit la moindre côte, elle sait que papa va aider. Moi, ça me crame. Elle a la plus facile. Tout le monde est content. C'est merveilleux. Donc très content. Tir vélo, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. C'est français, ils ont un Facebook et un site web. Et évidemment, merci à Tir Vélo parce qu'ils me l'ont offert. Hein. Je vais pas te, hein, c'est un petit cadeau bien sympathique, le cadeau qui m'est utile. Je suis un crevard. Allez, moi c'est ici que je vous abandonne. Maintenant, ils ont bien mérité un petit McDo ou une connerie comme ça. Je suis cramé, je suis content, c'est merveilleux. Voilà, une petite vidéo impromptue. Normalement, on doit être mercredi ou jeudi. À la semaine prochaine. Ciao. Le soleil brille dans le ciel, il est déjà midi. Je me réveille dans la rue, tous les passants me sourient. Instantanément, j'oublie.